Je suis malade. Oh là là. C'est une histoire qui m'arrange pas tout ça. Demain on se barre. J'ai trop hâte de vous emmener. Je vous dirai où on va ce soir. Donc restez jusqu'à la fin du vlog. Mais je vous en dirai pas plus sur. Je vous dirai la destination, c'est tout. Faut pas abuser non plus. Tu vois. Ouais, je suis malade aujourd'hui et j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Donc bah, on va mordre sur sa chic, comme on dit. Puis voilà quoi. Ici, je vais faire le montage de la vidéo de ce soir parce que du coup, je l'ai toujours pas fait. Ce soir, je ferai le montage de la vidéo d'aujourd'hui. Parce que demain, du coup, je ne suis pas là. Ça va, chaton? Ma crise. En fait, j'ai l'impression que hier à la base, j'en avais rien. Et puis avec ma crise d'angoisse, c'était ça m'a donné un mal de tête de fou. J'ai l'impression que maintenant, je suis malade. Je sais pas si c'est pas. Je vais sortir, chaton. Je sais pas si c'est possible ou c'est juste un hasard. J'étais censée aller à la piscine et bah j'ai annulé parce que ça va vraiment pas le faire. Enfin soit, là je vais aller faire le montage de la vidéo d'aujourd'hui. Je la mettrai directement en ligne comme ça. Une chose de faite. Et après on fera le reste. Bon, il est 1h30. J'ai fini le montage de la vidéo. Il est en train de se publier sur YouTube pour ce soir. Je vais pas assumer ce vlog, mais c'est pas grave. Je me suis trop confiée hier. Enfin, pas trop, mais vous voyez, quand je fais de l'anxiété comme ça, j'en parle mais à personne. Hier, j'ai décidé d'en parler à une personne. Et je me suis dit, j'ai peut-être besoin de parler et de filmer, tu vois. Et du coup, j'ai voulu évacuer. Et je me suis dit, bah, je vais pas ne pas le mettre, tu vois. Parce que bah, ça a fait partie de ma journée d'hier et genre, tout n'est pas tout rose. Tous les jours, donc c'est voilà. Donc j'assume, c'est très dur, mais j'assume et voilà. Mais vraiment, j'en parle à personne de base. Genre, à souhait. Bref, j'ai déjà mangé. J'ai mangé sur le temps de ma vidéo, etc. Et j'ai été mettre un masque dans mes cheveux. Et maintenant, j'ai d'autres choses à faire. Je vous explique en fait là, ça c'est que demain on s'en va. Je vous emmène. Faut que j'arrête de dire je vous emmène parce que forcément je vous emmène. Ah, j'ai envie de me brosser les dents, c'est dégueulasse. Mais du coup oui, demain c'est une grosse journée pour moi, c'est une journée très belle et j'ai quelques petits trucs à préparer pour que mon voyage se passe au mieux. Donc on va faire ça aujourd'hui, il y a mon chien qui boit, désolé. On va faire en sorte que tout se passe au mieux et que d'être en forme quoi, même si je suis un peu malade là, je sens déjà que ça va mieux. Donc je pense que c'était juste un petit... Je sais pas. Ici je vais commencer à préparer un sac. Oh là là, j'ai beaucoup de choses à penser. Je sais pas comment je vais emboîter le tout dans ma tête. Bon les gars, c'est l'heure du thé. On est le 7. Je vais galérer chaque jour à les trouver. Oh non! C'est le pire thé. Je... à la réglisse. J'ai pas envie, honnêtement. J'ai pas envie. Bon, je vais vous lire la phrase quand même. Une âme en paix est une âme forte. Et je ne vais pas ouvrir celui-là. Je déteste la réglisse, je suis désolée, mais je ne peux pas. Du coup, je vais ouvrir le... 5 que j'ai jamais ouvert parce que vraiment franchement je peux pas, c'est dégueulasse. Ah ça, oh bah tiens, c'est ce qu'il me faut, ce thé là, c'est le thé qu'il me faut aujourd'hui, c'est pour c'est le thé du bonheur qui va m'apporter du bonheur, the bright mood. Partage ta force et pas tes faiblesses. Je suis pas d'accord, y a pas que la force dans la vie. Hier je vous ai montré mes faiblesses, c'est pas pour autant que c'était mauvais, tu vois. Donc non, je suis pas d'accord avec la petite phrase aujourd'hui, désolé. Oh, j'ai pas lu ce qu'il vous écrit sur le sachet. Ah, c'est chaud, dit. Il n'y a rien eu comme toi et il ne devrait pas y avoir quelqu'un d'autre comme toi. Et en vrai, encore une fois, je sais pas si c'est un hasard, mais ça va bien avec ce que je disais hier. Hier, je vous disais que je me sentais incomprise et que c'était normal, tu vois, parce que bah, chacun a sa propre perception des choses et sa façon de ressentir les choses. Je sais pas, ce thé, c'est le bon thé pour aujourd'hui. Ah, je vous jure. Purée. La vie est remplie de surprises. Et de... Là, il faut que j'arrête de vouloir de balancer des phrases comme ça. Ta gueule. Demain, donc demain on s'en va. Je vous dirai tout à l'heure où on s'en va, mais demain on s'en va et on revient vendredi. Donc, ce qu'il y a, c'est que je pars juste une nuit et en fait, je n'aurai pas vraiment l'opportunité d'avoir des bagages avec moi. Enfin, si, mais ça va devoir rester toute la nuit à la gare, ce que j'ai. Donc, je vais devoir prévoir deux sacs. Un plus petit sac pour ma journée, ma nuit. Et le lendemain, j'aurai un sac pour le lendemain. Ça n'a aucun sens ce que je vous dis, mais vous y verrez plus clair jeudi et vendredi. Mais c'est que je dois prévoir le minimum. Mais quand je vous dis le minimum, c'est le minimum pour
pour partir jeudi. C'est compliqué, mais ça va le faire. Donc attends, ça veut dire que demain, si je veux vraiment même. Je peux mettre la tenue que je m'étais imaginée. Qui est là. Mais alors, il faut que je mette des couches en dessous, tu vois. Et ça me dérange pas du tout de faire ça. Je suis en plein montage de la vidéo et je ne comprends plus rien de ce que je raconte à ce moment-là. En fait, j'étais tellement dans mon organisation, dans ma tête, que je balançais tout et tout ce que je raconte n'a plus aucun sens à partir de maintenant. Et je ne comprends pas ce que je racontais. Genre là, niveau organisation, niveau de ce qu'il y a dans mon sac, je ne comprends plus rien. C'est lunaire, genre. Bref, je suis désolée. Je comprends rien de ce que je vous ai raconté. Et alors comme ça je prends mon. Non parce qu'attends je fais la folle mais je sais pas combien de degrés il fait là-bas. Juste mettre une veste et je vais arrêter de faire chier tu vois. Et on va y mettre tout un nécessaire de vie. Ça c'est mon nécessaire de vie ultime les gars. Un tout petit truc. En vrai je me rends compte que j'ai tout préparé parce que j'ai mes vêtements pour demain, j'ai mes vêtements pour vendredi. J'ai mon sac pour demain avec le nécessaire. Je pense qu'on est bon, je pense que. Vu que je suis malade, je vais faire une sieste. Ça me fait rire parce que j'étais là, ouais, faut que je fasse pas de trucs et tout aujourd'hui. Et au final, regardez dans l'état dans lequel je suis. Bah. Non, en vrai, techniquement, j'ai d'autres choses à faire. Mais je procrastine un peu parce que je sens que je suis. Bah, je suis malade, donc il vaut mieux, voilà. Et c'est pas des trucs que je dois faire là maintenant dans l'instant T. Les gars, c'est pas un rhume qui va m'empêcher de faire mon montage, de le mettre sur YouTube et qu'il soit prêt pour demain. Et c'est surtout pas un rhume qui va m'empêcher de partir demain. Du coup, là, je me lance dans mon montage. Après mon montage, je regarde la dernière vidéo de Squeezie. Puis j'essaye de dormir. Parce que, est-ce que je vais réussir à dormir? J'en sais rien. Alors, je pense que ce vlog a été plus court que d'habitude aujourd'hui. Mais bon, j'ai pas fait grand-chose. J'étais malade et tout. Donc voilà. Mais demain, je pense que demain, il sera beaucoup plus long. Mais de toute façon, je vais pas faire du contenu pour faire du contenu. Donc. Du coup, je vais aller finir ma soirée tranquillement en travaillant. Et je vais essayer du coup d'aller dormir assez tôt. Parce que je me lève à 4h demain. 4h30. Parce que demain, on se taille à Paris. Et oh my god. J'ai trop hâte de. Je vous dis pas ce qu'on va faire à Paris. Mais ça va être dingue. Ça va être. Enfin bref. Je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Une nouvelle aventure. Je vous dis Merry Vlogmas. Bisous.